Rose la Liberté Roy n'est pas tout à fait redescendue de son nuage depuis le récent championnat canadien. Sa performance aux 500 mètres lui a permis de se qualifier pour les Coupes du monde d'automne à sa première année au sein de l'équipe canadienne. 39,05. C'est gros quand même. Je pensais pas faire tout le circuit. Là, je m'en vais en Europe, Norvège, Pays-Bas, puis on revient à Calgary. T'sais, honnêtement, au début de l'année, je pensais même pas faire les Coupes du monde. Je savais que le calibre était fort. Donc, de faire tout le circuit, c'est comme OK, j'embarque là-dedans, puis je saute à pieds joints, vraiment. Là. Vraiment hâte. La patineuse de 23 ans sort de sa coquille après des saisons plutôt modestes chez les juniors. J'ai jamais vraiment ressorti du lot. J'étais toujours là, j'ai fait du courte piste. Je me suis entraînée en longue piste dehors. Puis là, avec le nouvel anneau, on dirait que ça a juste comme poussé ma progression au max. Puis là, en ce moment, c'est ça, je progresse de course en course, on dirait. Là. Il faut dire qu'elle a grandi en suivant les conseils d'un certain Laurent Dubreuil, qu'elle observe attentivement depuis qu'elle est toute petite. Laurent, ça a été mon coach là, quand j'avais 7 ans. Il avait 14 ans, il me coachait à Saint-Étienne. On est deux patineurs de Saint-Étienne, donc j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Puis là, c'est juste que là, on se voit tous les jours, mais je veux dire, c'est vraiment un exemple pour moi. Laurent, là, c'est le champion du monde. Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui? Mettons le patineur là, parfait techniquement, ce serait Laurent dans ma tête. Là. Son attitude aussi, sa confiance, beaucoup sa confiance. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent puis qui m'influencent. Pour l'instant, t'es la seule fille dans un groupe de sprinteurs avec les boys. Ouais, Comment ça se passe, ça? Je suis one of the boys, je pense. Ça se passe vraiment bien. Ouais. C'est ça, je m'entraîne avec Cédric Brunet, Chris Fiola, Laurent. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils m'apportent beaucoup. T'sais, c'est des patineurs d'expérience. Justement, ils ont fait les Coupes du monde, ils savent de quoi ils parlent. Donc moi, je prends tous leurs conseils puis je les applique sur la glace. Le temps est venu pour elle de vivre ses propres expériences, de trouver ses propres repères en Coupe du monde. C'est mes premières Coupes du monde. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je vois vraiment là, comme une expérience, mais en même temps, j'ai le goût de bien performer. Je pense que l'ambiance va être différente. C'est ça qui va être différent, mais je pense que ça va être juste positif. Puis j'ai vraiment hâte là, de vivre cette expérience-là. Premier arrêt pour Rose et le reste de l'équipe, le 10 novembre en Norvège.